Bon les gars, quart de finale de Coupe d'Alsace, ça peut se terminer en penalty. Allez, un petit travail. Wow. Vas-y. Ah là, viens. Bon Alex, tu sais que je perds 2-0. Cette séance a été bénéfique, tu crois, pour moi? Laurent, je pense qu'avec Sainte-Croix, tu peux faire quelque chose. Tu as bien bossé aujourd'hui, mais n'oublie pas, il y a Charlie avec Faik. Oh là là, il y a Charlie. À jeudi. À jeudi, mon Dieu. Que les meilleurs qui gagnent. Ah, salut Gilles. Salut. Arrivé sur le sol orinois, enfin double contact dans le Haut-Rhin. Qu'est-ce que t'as prévu? Quart de finale, Coupe d'Alsace contre la Faig. Un plan infaillible, je suis allé voir. Toi, t'es le Mourinho du Haut-Rhin, quoi. Non, Hervé Renard. Quand il récupère la balle, ça va très vite vers l'avant. Mais en 3 secondes et en 2 passes, ils sont à 5 devant avec le ballon. Me voilà la Faig, dernier entraînement avant le match de jeudi. On va y aller à la cool, pas de blessure, pas de fatigue, histoire de gagner tranquillement le match de jeudi après-midi. Allez, venez, on va se marrer. Mets au sol. Ah, il est pas gaucher. Les mecs, vous fixez, vous attaquez le ballon, faut rentrer dedans. Charge. Faut que ça vite. Et t'y vas. Voilà, ça c'est mieux. Bon, Alex Vensel nous a donné les petits conseils pour les pénalties, vu que ça s'est fini au pénalty la dernière fois. Donc, vous pensez qu'il faut tirer comment les pénalties? En force, précision, Un spitz, ouais, c'est ça. Non, pas les cas, là, faut salir le gardien. Non, en fait, faut vraiment jauger le gardien. T'attends jusqu'à qu'il plonge et tu gères. On va essayer de bosser ça ce soir, ça marche? Okay. J'ai toujours rêvé de dire ça. Putain, je suis un vrai coach, bordel. On y va? Faut pas s'enflammer vu qu'on a déjà éliminé Sulnofen, Lausanne, des grosses équipes. Des grosses équipes. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis pépiniériste. T'es pépiniériste? Ouais, je suis pépiniériste. Donc t'es, physiquement tu travailles toute la journée au final? Ouais, voilà. Et pour l'entraînement c'est pas facile quoi. J'ai une gueule dessus mais je suis déjà épuisé toute la journée. T'es seul? Parlez-lui! Ah la communication les gars! Allez, faut que ça aille vite maintenant les gars, faut que ça aille vite, mettez de la qualité! Oui! Va avec! Bah je le dis, hein. Et moi je suis sûr que je vais marquer le point. Ils sont top. Et Laurent, il y a déjà 2-0. Bientôt 3-0. À jeudi. Si jamais il y a un petit penalty litigieux, vous sifflez pour Sainte-Croix. Un hors-jeu. C'est pas possible. Vous laissez courir. Regardez. Coca. C'est pas possible. Non, vous êtes sûr? C'est pas possible. Un hors-jeu. Non. C'est pas possible. Donc respect du plan de jeu, l'état d'esprit en face c'est très correct, donc nous aussi il faut que ça soit correct, par contre il faut que ça soit combatif. Aujourd'hui il ne faut pas qu'on joue comme des sénateurs parce qu'on a une excellence et ils sont en promotion, ça passera pas, et si on va dans la suffisance, à un moment donné on va se regarder et on va être mal. Il se met en opposition avec son corps. Enfin, il fait 1m30, les bras levés. Et il se met en opposition. Personne lui prend le ballon. Personne lui prend le ballon. Yanis qui lui prend le ballon. Sur son cul, hein, il sert de son physique. Il sert de faire le un truc à gagner aujourd'hui. Allez, on traque. À double contact, Skelt.
Et rendez-vous prochain épisode.